Après l'annonce du décès du comédien Michel Korb, Plus belle la vie, le vendredi 5 mai, de nombreux acteurs ayant joué dans le feuilleton de France 3 lui ont rendu hommage. Laurent Couzoré, qui incarnait son fils, a publié un message bouleversant sur son compte Instagram. Une disparition brutale qui a provoqué une onde de choc. Le vendredi 5 mai, nos confrères de Midi Libre ont rapporté le décès, par arme à feu, de Michel Korb, âgé de 77 ans. Au cours de sa carrière, le comédien avait notamment joué dans les films Le Hussard sur le toit, Sous le sable, Mon père, Il m'a sauvé la vie ou encore La fin du règne animal. Toutefois, il était surtout connu des téléspectateurs pour son interprétation du personnage de Roland Marcy, tenancier du bar fictif Le Mistral, dans le feuilleton à succès Plus belle la vie, diffusé sur France 3 entre 2004 et 2022. Après l'annonce de la mort de l'acteur, dont le corps sans vie a été retrouvé à son domicile situé dans l'Hérault, des fans de Plus belle la vie et des comédiens de la série télévisée lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Laurent Couzoré, j'attends de pouvoir lui dire au revoir. C'est notamment le cas de Dunia Coezin, qui avait prêté ses traits au personnage de Johanna, la petite fille de Roland. Mais aussi Stéphanie Parera, qui incarnait Jeanne Carmin, et Fabienne Cara, qui tenait le rôle de Samia Nasri. Dimanche 7 mai, le comédien Laurent Couzoré a, lui aussi, publié un message bouleversant sur Instagram. Merci pour vos nombreux messages de soutien, a écrit l'acteur de 48 ans dans une story tout en sobriété diffusée sur le réseau social. Certains pourraient s'étonner de mon silence. Il n'est, hélas, que le reflet de ma peine et de ma douleur. Et celui qui interprétait dans Plus belle la vie le personnage de Thomas Marcy, le fils de Roland, d'ajouter ensuite, j'attends simplement de pouvoir lui dire au revoir. Les fans de Plus belle la vie en deuil samedi 6 mai, Laurent Couzoré avait partagé un simple cliché noir sur son compte Instagram, en signe de deuil. De nombreux internautes avaient réagi à cette publication, pour lui manifester leur soutien. Parmi les nombreux commentaires, on peut citer les suivants, de tout cœur avec toi, mon ami, vous êtes la première personne à laquelle j'ai pensé, et j'ai pleuré. Courage, dans cette épreuve, je pense fort à toute la famille de PBLV. Elle perd le personnage principal. Rachel et Wanda, respectivement incarnées par les défuntes comédiennes Colette Renard et Pascal Roberts, vont l'accueillir comme il se doit ou encore toutes mes condoléances Laure, ce grand homme qu'était Michel Korb restera à tout jamais dans nos cœurs. Busy post ton Instagram à post shared by Laurent Couzoré @laurentcouzoré. Article écrit en collaboration avec 6 médias.